Alors, aujourd'hui, on va visiter une île japonaise. Ah, bah, tu vois. Non, mais tu sais, tu connais Dr. Frank? C'est des trucs comme ça, c'est Dr. No. Donc on va aller sur une île un petit peu, enfin pas si différente que celle qu'on connaît. Hein. Donc sur cette île, il y a plein de gens qui ont plein de métiers. Il y a des boulangers, il y a des bûcherons, il y a des pêcheurs, il y a des sonneurs de cloches. D'accord ? Et on va essayer de... De quoi ? Ah, tu aimes bien sonner la cloche. Et on va essayer de mimer toute l'activité de ces gens-là. Ça va, c'est facile ? Oui. Et puis en plus, à un moment donné, ce sont des gens qui vont s'entraîner. D'accord ? Ils vont s'entraîner à faire de l'aïkido. Voilà. Donc on va faire comme eux. D'accord ? Et puis sur cette île, il y a aussi des enfants qui jouent. Mais c'est seulement les enfants qui sont sages. Oh, qui ont bien travaillé toute la journée à l'école. Oh, c'est dur ça. Allez, on est droit. On s'est à droite. Et toi, viens. On est gaïchi. Sur cette île, d'accord, on a dit qu'il y a plein d'enfants. Des grands pas, certains font des petits pas. D'accord. Par contre, l'île est très 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 petite. Donc l'île, c'est le carré jaune. On n'a pas le droit d'aller dans le bleu, sinon on est dans la mer. On est d'accord. Et dans la mer, il y a des... Ah ben, il y a des requins, voilà. Allez, debout. Thank you.
Et le plat, franchement, dans notre dos. Donc je prends avec mes mains. Plus fort.
On est prêts? Ouais. Je conclue, hein, je tape seulement. Et si j'accélère, vous suivez le rythme. On est prêts? Regardez bien en boucle. Et tout le monde chante en même temps. Alors,
finir l'échauffement, d'accord, et ensuite, donc sur cette île, il y a des gens qui vont balader, vous avez vu que tous les enfants vont balader. Puis sur cette île, il y a plein de bûches. Vous allez voir. Voilà. 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 Voil
pas. Et ensuite, les habitants de l'île, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir en vacances. Ils vont s'entraîner. Et ensuite seulement, ils s'amusent. On est droit. César. Main gauche. Main droite.
On va boire deux petites minutes. Allez. Donc on a dit que sur cette île, tous les gens le matin, ils ont ramené l'eau à la maison, ils ont fabriqué le pain, ils se sont amusés, ils sont allés à la pêche, d'accord ? Et puis à un moment donné, bah leur travail c'est de s'entraîner. Par contre, l'espace est restreint. Il n'a droit qu'à 3 tapis pour se déplacer. Pas plus, comme ça, comme ça. 1, 2, 3. 3 tapis. Donc il a le droit de tourner, il a le droit de bloquer, il a le droit d'esquiver, il fait comme il veut. D'accord ? Et après, je vais regarder comment on roule. Je marque un point. Et tu lèves la main. Comment s'appelle cette série, cette saisie d'ailleurs? On avait travaillé, mais je Katadori. Kata, c'est l'épaule. D'accord? Donc je vais essayer d'attraper son épaule. Ça va ça? On essaie, je regarde ce que vous faites et ensuite on va voir comment on peut travailler là-dessus. C'est bon? Allez, Adjimé, par deux. Si j'attaque Timaël, je fais pas ça. D'accord? Je laisse du temps. Voilà. J'essaye de le surprendre. Et je vais pas trop vite. J'ai le droit de tourner. Ah ah, je l'ai vu. Ça va ça? Allez, Adjimé. On va chercher Katadori.
vais pas vite. Coupé. Je ne vais pas vite. Et il faut qu'elle cherche bien, quelqu'un va attraper. Oh, très bien. Ah ah! Si j'ai attrapé avec les deux mains, j'ai pas une poing, ben j'ai deux poings. Comment s'appelle cette saisie? Katadori. Katadori. Double katadori, ça s'appelle comment en japonais? Ryo katadori. Ryo en deux. Ryo katadori. Oh. Allez, on reprend. On y va. On garde les mains. Allez, allez, hop. T'as le droit de te déplacer, hein, n'oublie pas. Ah!
Je ne vais pas vite pour qu'il ait le temps d'apprendre. On bloque avec quelle main? Avec quelle main j'ai bloqué? La main qui protège l'épaule, pas l'autre main. Donc si j'attaque cette épaule, exactement. C'est pas mal, mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'a pas. Il n'est pas la dernière. Attends. Ok. Encore une fois. Vous avez des questions? Allez, on essaye. Vas-y, mais. Changez de partenaire. Pour les deux grands, vous pouvez rester ensemble. Oui. Vous pouvez aller sur la petite. Vous voulez rester ensemble ou pas? Ok. Allez. Allez, debout, debout. Avec moi. Super. Mais tu leur fais faire un peu spécial? C'est pas ça. C'est la table.
Ça, c'est mieux. Il a bien réussi là. Thank you.
Et, s'il te plaît, s'il te plaît, recule un peu. Sinon, j'ai pas... Là-bas, un peu là-bas. Ouais. Préparez-vous les garçons. Allez, débrouille-toi. 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, perdu. Ça va? Françoise, tu vas faire un sens plus que toi, là. Alors, les sangsues, vous accrochez le partenaire. Yeah.
Merci beaucoup. Allez. Bien. Bien. Très bien. Super.